Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une... je pense que ce sera un petit vlog rentrée, histoire de vous vous donner quelques nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'aime bien. J'ai en train de me faire une petite pack pour septembre, octobre sur 2 mois. Et puis, bon après, je pense qu'il y en a qui s'enlèveront, d'autres vont se rajouter. J'essaye de regarder un petit peu. Parce que j'ai été organisée, là, j'ai tout noté, les fils rouges, les défis, et puis bah, j'ai noté le Fear Challenge de Zazu aussi. Du coup, j'ai en train de regarder un petit peu. Et voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais me prendre en vlog, parce que ben, je pense que ben, ça fera plaisir d'avoir des nouvelles, savoir ce qui s'est passé. Et puis, comme ça, je vais pouvoir inclure... un haul, mes derniers achats, parce que bon, bah, malheureusement, j'ai quand même craqué, hein, ça, on est faible. Et, voilà. Du coup, voilà, j'étais dans le Fairy Touch, pour regarder un peu les pages d'automne, parce que, ben, vous savez que j'aime bien le Little Secret, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses un peu, je ferais bien ça, mais, quoique la maison, après, je la fais en citrouille, quoi. Je la vois bien un petit peu en couleur, déjà, donc... ouais, je pense que j'irai peut-être dans le Fairy Touch après, mais bon. J'en ai déjà visé 2 de Clara, et vous savez que ça prend du temps. Donc, voilà. Le Soulmate. Je pense que ce mois-ci... j'ai rien fait de ce que j'avais dit, hein, sur la pack de l'été, mais... Enfin, j'en ai fait, j'ai colorié, hein, mais j'ai pas fait, enfin, j'ai pas trop respecté ce que je voulais faire. Voilà. Ouais, je commencerai bien par ça, ça va être long, mais j'ai un Clara à finir et je vais faire mes fils rouges du Clara déjà début du mois, comme ça. Parce que ça prend quand même un peu du temps, Clara, mais bon. Et après, je m'attaque à lui, je pense. Donc voilà. Déjà, je vais finir mon encours dans le Fairy Celebration. On va faire du Clara en... enfin, vous verrez sur du Clara. Et comme ça... voilà. En plus, j'ai des fleurs, des feuilles à faire. Donc, ça va pour prendre en couleur un chat. Dans le vlog. Alors, du coup, les crayons. Hop, hop. Je suis pas mal sur les dupes, là, de polychromos. Enfin, je sais pas. On va appeler ça des color pencils, hein. Et du coup, je les aime bien, j'arrête pas, je les utilise pas mal. On va dire que cette année, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. J'aime beaucoup ces crayons. C'est vrai qu'ils sont bien. Donc, je suis pas trop fan des polychromos de base. C'est pour ça que j'avais mis du temps déjà, d'ailleurs, à craquer dessus. Donc, voilà. Alors, mon dragon... Qu'est-ce que j'ai fait sur ce pauvre petit dragon? Eh ben, là, j'avais fait une base là pour faire l'herbe après à la fin. Et là, je voulais faire un sac à bonbons très transparent. Donc, du coup, j'essaie de tout finir pour ensuite y travailler. Donc, je sais pas, peut-être je vous prendrai en speed avec vous. Ou pas, à voir. Parce que pour celles qui suivent un peu plus, qui me suivent un peu plus, ben, je pense que vous avez compris, mais... je suis tombée amoureuse de un petit peu la plateforme TikTok. Alors non, j'oublie pas YouTube, hein. Mais c'est vrai que TikTok, c'est... bah, alors déjà, moi qui adore la musique, c'est magique, hein, de mettre la musique que je veux pour faire des petites... on va dire ça, des shorts si vous connaissez pas trop. Et ensuite, les lives, c'est plus pratique. Et puis... en fait, il n'y a pas de toute organisation de si tu veux faire un live duo et tout. On lance, on invite un quelqu'un, la personne elle monte pas. Et c'est tellement plus pratique que sur YouTube. Voilà. Et puis bon, ça me va très bien aussi au niveau du chat parce que du coup, en ce moment, j'ai pas de deuxième écran. Donc du coup, ça me va mieux quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, donc j'ai fait une pause. Enfin, une pause. J'ai pas trop non plus disparu, mais TikTok m'a fait du bien, en fait, pendant les vacances, du coup. Ça m'a un peu déconnecté de YouTube et tout ça. Mais bon, après,
J'ai pas fait de pause par rapport à YouTube. En fait, j'ai fait une pause par rapport à ma vie privée. J'avais besoin de me déconnecter, de me remettre en question par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. J'avais juste besoin de me retrouver, retrouver un rythme avec les enfants parce que, bah voilà, hein, c'est qu'on, quand on se retrouve toute seule avec les trois, on a besoin de prendre un rythme. Et puis les vacances, ça fait du bien aussi de se retrouver un petit peu vu que bah, l'année, on court, quoi, hein, avec les petits et tout. Bon, heureusement que l'école est revenue parce que c'est vrai que, bah, fin des vacances, ça devient un peu fatigant parce que même eux, ils sont en marre. Voilà, après on a pas mal. On a bouché. On... Oui. On a bougé, on s'est promené. Voilà, on a fait pas mal de choses. Donc, on a bronzé un petit peu. Bon, je sais pas si vous voyez à la main, mais bon. Voilà. Ensuite, bah, en matière de vidéo, il y aura toujours un peu. Je sais pas, je. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. Donc. À s'y mettre, je suis inspirée. Manque plus qu'à se relancer. Là, je vais vous tourner, je pense demain, parce que au moins demain il n'y a pas les enfants. La vidéo des coloriages terminée, voilà, de juillet août. Bon, c'est pas folichon non plus. Hein. Après, c'est les vacances, hein, puis j'ai une petite période d'été parce que bah, quand il fait trop chaud, ben c'est plus pratique le DP. Mais là, ça va. Ça va se rafraîchir, donc ça va aller un petit peu mieux. Voilà. Il faut que je ressorte les crayons. J'ai même pas fait le contour des fleurs pour les autres. Donc, voilà. Écoutez, bah, j'espère que ça vous plaira ce petit vlog. Niveau lecture. J'ai commencé 2 livres, j'en ai pas fini un encore. Je suis en train de lire 1000 baisers pour un garçon. Et le succès de la bibliothèque mortelle avec le chat. Je vous en parlerai après. J'ai rien sorti. Là, je voulais juste vous prendre comme ça en intro. Bon, bah, j'ai fini ma pack. Voilà. Bah, vous la verrez au fur et à mesure du mois, hein, je pense. Parce qu'il y a certains colos peut-être que je ferai en vidéo avec vous. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, je vous prendrai pour le haul. Bah, je pense que j'ai partagé pas mal en story et tout. Mais bon, après, rien de nouveau. Papoter avec vous en plein pour vous expliquer le chat. Vous montrer les images qui me plaisent. Voilà, m'entendre me plaindre, me dire ah mais t'as pas, j'aurais pas le temps, tout quoi, hein, voilà. Donc écoutez, bah je vous dis à plus tard, je vous prendrai peut-être sûrement demain ou ce soir, parce que là on est mercredi et après avec les enfants on va un petit peu bouger, quoi, on va pas rester non plus trop enfermé. Donc voilà, allez. À tout à l'heure. Hey, je vous retrouve une semaine après. Super, je pensais pas que... Bah si, un petit peu en fait. La semaine dernière, la semaine de la rentrée, je me suis dit, oh, tu vas avoir le temps de faire des vlogs et tout, rien du tout. La rentrée, je crois que le mois de septembre, c'est un peu le mois esclavagiste des parents, entre tous les papiers qu'il faut refaire et tout. Être à la course. Et puis en fait, moi j'ai eu l'imprimante qui m'a lâché. Ouais, j'ai pas de chance. Moi je crois que les imprimantes, je suis maudite. Mais bon, j'en ai commandé une nouvelle. Je la reçois vendredi. Je peux pas rester sans imprimante, c'est pas possible. Et donc voilà, après, bah, j'ai dû inscrire mon vif aussi au Juto. Et là, j'attends que l'imprimante remarche pour faire le reste des inscriptions. Donc voilà. Et puis aussi, bah là. J'ai Victoria qui a commencé un peu la nounou. Là, on est en plein... Comment on appelle ça? Ah, je cherche le mot. J'ai plus mon mot. Vous savez, pour... Ah, l'adaptation. Voilà. Oh, ça me va pas. Mais bon, ça se passe bien. On part juste le matin où elle pleure un petit peu. Elle teste un petit peu, mais ça va.
La grande, c'est pareil. Là, on a commencé les devoirs hier. Pareil, ça aussi. Hein. Oh. Ça nous fait réviser, nous, hein, des fois. Non, je rigole. Ça va, ça va, ça va. Le niveau C1, ça va, ça va. Je ne veux pas dire que j'ai un niveau bas. Donc, je voulais vous montrer mes achats. Là, je suis Annaline. J'ai fait une pause parce que j'ai enchaîné deux Clara Markova. Et je me suis dit, je vais me faire un petit colo cool. Enfin, simple. Et moi, ça me permet de l'entamer parce que je l'avais pas encore entamé son nouveau livre. Mais en fait, vu qu'il y a beaucoup de colos un peu thématique automne, Noël, j'ai dit, bon, ben, on va attendre. Voilà. Je fais la saison. Je fais la. Ouais. La saisonnière, je sais. Alors, en fait, je sais plus ce que je vous ai montré et pas montré. Donc, je crois que le Symphony of Cute Animal, je vous avais montré que. Enfin, je l'avais commandé. Oui, je vous l'avais fait dans une pack. Qu'est-ce que j'ai. Les Romantic Country, je ne vous ai pas montré, mais est-ce que on a besoin. Vous les connaissez. J'ai pris le 1 et le 3, du coup. Bah, ceux que, qui étaient introuvables. Je les ai trouvés sur Etsy. Donc, du coup, bah, c'est vrai que bah, j'en ai. Bon. Après, c'est vrai que malheureusement, sur Etsy, bah, c'est un peu les frais d'expédition. Mais vu que j'en ai pris deux, je me suis dit, bon, allez. Et en fait, c'était un moment que je les voulais. Bah, les classiques aussi. Bah, de toute façon, ouais, en fait, finalement, j'ai pas tant craqué que ça. J'ai plus craqué sur le DP là, ces derniers temps, c'est vrai. Colo, ici, samedi, je suis allée à Action, j'ai pris ça. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer de tester sur elle, mais je suis pas sûre parce que je vais pas partir dans des couleurs que j'ai trouvées. J'ai trouvé ça en paillettes chez Action. Mais du coup, je suis pas sûre de les utiliser parce que bah, le mauve, le violet, je pense pas utiliser ça sur elle. Et ça, ouais, peut-être le vert là, je peux essayer, on verra. Mais eux, je crois que j'en ai déjà. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà. Là, je suis sur ma petite Annaline qui fait au Prisma ses petits cheveux. Là, j'ai fait un peu ma base. Là, je vais faire le chat noir. Je vais commencer un peu le Fear Challenge. Et voilà. Je voulais me faire une pack, mais du coup, je sais pas. Je pense que je vais aller au feeling. Voilà. Après, je vais entamer le, bah, le Little Secret. Là, on va faire les... faut que je fasse les fils rouges. Sachant qu'il y en a deux ce mois-ci. Je pense que le mois prochain, on partira sur un seul. De toute façon, après, octobre-novembre, il n'y a pas beaucoup de colos dans le thème de l'automne, dans Little Secret. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, on va bien trouver des pages qui vont nous intéresser. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Ben, c'est tout, hein. C'est déjà pas mal hein, pour cette semaine, pour comme, reprendre un peu le vlog. Voilà, là j'ai en train de faire ces mèches. Après j'ai perdu l'habitude, maintenant je fais... C'est vrai que je suis tellement habituée maintenant à faire les lives sur TikTok. Voilà, ça aussi c'est vrai que ben, du coup je suis plus là-dessus, un peu plus là-dessus que sur YouTube maintenant. Après j'abandonne pas YouTube, mais... c'est pas la même, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Donc voilà. Donc bah, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Niveau nouvelles, voilà, après tout va bien, tout va mieux. Comparé à juin, juillet. Ça m'a fait du bien aussi la pause. Hein. Franchement, je vous assure que des fois, ça fait du bien une pause comme ça, se déconnecter. Ça fait grave du bien. Après, je regardais quand même les vidéos, hein, mais. Voilà. Après, maintenant, je me prends moins la tête, quoi. C'est vrai. C'est une année où j'ai pas envie de me prendre la tête pour du colo. Et voilà. Ensuite, bah, niveau lecture, et bah, j'ai pas trop avancé mes lectures. J'ai commencé 1000 baisers pour un garçon parce que ça a été conseillé par Letty. Enfin, elle nous l'a tellement bien vendu que forcément, on craque et on va le lire. Qu'est-ce que je fais à ses cheveux, moi? Voilà, voilà, il faudrait que je reprenne. Là, je vais avoir un peu plus de temps parce que ça y est, les petits sont à la cantine.
Je vais avoir mes journées, mais bon, j'ai encore pas mal de rendez-vous, donc c'est pas fini, malheureusement pour moi. Voilà. Puis voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça va bien là, ça fait joli, je trouve, hein. Donc, bah écoutez, je vous reprends plus tard au lieu de je sais pas faire quoi là. Et je vous fais des bisous. Bye bye. Hey, je vous retrouve pour le vlog qui dure depuis un petit moment. Je vais essayer de le clôturer un petit peu aujourd'hui pour vous le mettre pour ce week-end. Voilà. Donc là, je vais commencer. J'ai fini mon analyne. J'ai mis un peu de temps à le finir, mais bon, à côté, je faisais du DP. Et là, avec Chouquette, on a décidé de partir sur celui-là en duo. Parce que je vous avais dit que le 4 saisons, bah, de toute façon, je pense que c'est un de mes objectifs de l'année de l'avancer. Et en fait, j'ai rien fait du tout. Et là, bah, du coup, on va l'entamer. Je vais essayer d'entamer pas mal la partie automnale parce que je la trouve pas mal aussi. Je la trouve sympa. Je les trouve mignons. Mais bon, on commence par celui qui va me prendre du temps, je pense, à faire. Et après, bah, j'attaquerai les fils rouges parce que bah, j'ai pas envie de prendre du retard. Lui aussi, j'ai trop envie de le faire ce septembre-octobre là. Le Pocahontas aussi, je vais le faire, je pense. Voilà, déjà, si j'arrive à faire ces trois-là, ça peut être pas mal pour bah, bien entamer un petit peu celle de l'automne. J'aime bien celle-là aussi. Il y a un joli fond à faire et tout, ça peut être pas mal. Belle. Je voulais le faire pour, je crois, le fil rouge de Zazou. À voir. Peut-être que je sais pas, on verra parce que j'en ai d'autres à faire. J'ai d'autres coloriages à faire dans ma petite tête. Ah, oh, j'aime bien le chat 2. Donc à voir. Déjà, on va commencer par le ratatouille. Je pense qu'il va me prendre il va prendre pas mal de temps. Donc à voir. Donc voilà. On va les faire, on va manger, franchement, c'est un truc qui va nous mettre au régime. J'essaie de trouver un petit combo de ratatouille, parce que finalement, je n'en ai pas trouvé. Vous savez que moi, à la base, j'aime bien chercher, j'aime bien prendre des combos et tout, mais j'en ai pas trouvé. Bon, du coup, on va essayer avec sa petite tête, et je pense que je vais prendre un modèle tranquillement pour le faire. Donc voilà. Là, j'ai sorti un petit peu les crayons. Je vais commencer à faire bah, les citrouilles, la carotte. Là, je sais pas si je fais des bases à l'aquarelle ou pas. En fait, là, depuis tout à l'heure, je bug dessus. Je fais ou je fais pas. J'ai sorti en plus. Hein. Je suis allée me chercher des nouveaux pinceaux vers chez moi, là. Et je sais qu'il y en a un. Et j'ai un petit magasin, là, qui vend des pinceaux. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais me faire mon plein. Alors. Là, c'est les crayons pour ratatouille. On va voir. J'ai sorti un petit combo parce que bon, est-ce que je testerai pas avec vous comme ça, vous me verrez un petit peu colorier et après, bah, couper ce vlog qui dure un petit moment. Donc, je sais que ratatouille, il a. Ah, mais j'ai pas de modèle donc. Là, je sais plus. Je prendrai le modèle. Je ferai pas ici avec vous. Par contre, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Où on peut faire ensemble. Là, je pense que c'est tout bleu. J'ai pas d'image de lui en plus. Et j'ai pas le ou là, le ou is ou. Vous savez quoi? Je vous fais en pause. Je regarde un peu une image pour me le mettre en tête et je vous reprends et on le fait. Je le fais un petit peu avec vous en vidéo pour finir un peu le vlog. Comme ça, on peut papoter si vous voulez. Allez, j'arrive, à tout de suite. Bon, du coup, c'est vraiment tout la même couleur. Juste là, c'est un petit peu plus clair. Voilà. On va prendre un stylo gel blanc, on fera des petits effets. Stylo gel blanc. Et bien sûr, je sais pas où je t'ai mis. Ah si, j'en ai un là. Parfait. Bon, on y va, on teste. Alors, du coup, j'ai pris le bleu laqué bio violet, le 1079. On va commencer par le petit museau. Hop, on y va. Bon, ça sera peut-être pas le ratatouille de l'année. Hein. Bon, là, on est vendredi, donc j'espère que vous allez bien. Moi, cette semaine, ça a été un peu encore la course, franchement. C'est le mois de septembre, franchement.
C'est l'esclavage des parents. Il faut que je fasse les papiers, les inscriptions. Mercredi, Esteban, mon fils, il a commencé le judo. Il fallait rester un petit peu avec lui. En même temps, la séance, elle dure 1 heure. Donc, autant rester, hein. Et puis, du coup, en fait, il y avait des mamans. Donc, du coup, j'ai un peu profité. J'ai papoté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, hier, c'était le rendez-vous médical, médecin, la psychomotricité, un pétage de câble avec la cantine, parce qu'en gros, il m'appelle me disant, Gauthier, elle est pas bien, elle a mal à la tête. J'ai dit, mais elle a froid et tout. J'ai dit, mais. Et puis, moi, c'est vrai que ma fille, ma grande, déjeune pas trop. Enfin, elle déjeune un peu le matin, mais pas plus que ça. Donc, je dis, bah, elle a faim, enfin, faites la manger, quoi. C'est la pâte fièvre et tout. Non, mais elle est vraiment pas bien. Ok. Bon, j'arrive, je viens la chercher. Je suis allée la chercher. Je l'ai fait manger. Ça allait mieux. Elle pétait la faim toute l'après-midi. Super. Enfin, bref, c'est pas grave. Ça arrive. Voilà. Là, j'ai pris le gris ardoise parce que je sais que le 936, c'est un gris bien bleuté, bien foncé. On va y aller doucement. Et donc voilà, du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu la course. Voilà. Plus les papiers. En plus, mercredi prochain, bah, ça va être judo, école de musique. Là, il faut que je finisse l'inscription pour Cassandra aussi. Bon, le faire du foot. Je sais pas comment ça va être. Et puis voilà. Hein, bah, donc voilà. Niveau colo, j'ai rien acheté ce mois-ci. Bah, le mois de septembre, de toute façon, c'est le mois de dépense pour l'école, la rentrée, comme je vous avais dit. Mais là, je suis dans le début du vlog de Zazou, là, son dernier. Il y a des livres de colo, là, d'Halloween. Il y en avait un, il était pas mal. Il y avait une jolie petite licorne, là, en version Halloween. M'a bien plu. Voilà. Je regarde un petit peu les vidéos colo, mais c'est vrai que bah, je regarde surtout les vlogs. J'aime bien moi j'aime bien les vidéos longues. Là, je vais regarder celui de Cali. Et voilà, comme ça, je me pose tranquille. Et puis voilà. Et puis après, c'est vrai que je suis pas mal sur TikTok en ce moment. J'aime bien, je trouve le principe pas mal. Vous voyez. On peut faire des lives, on peut mettre des fonds de musique libre de droit ou pas, on est tranquille. Bon après la communauté n'est peut-être pas forcément la même, ça c'est sûr, parce que bah, là-bas c'est plus du mystère Disney, mais bon. Là après les gens m'ont accepté. Voilà. Et bah, quoi vous dire de plus Donc voilà, je suis bien contente. Là, je prends un gris chaud, là, un 20%. Je me suis trompée, je voulais du froid. On va voir ce que ça donne. Il faut essayer de faire un petit effet poil. Je sais pas si je fais une base aquarelle, parce que je sais que le papier de 4 saisons, c'est pas le meilleur. Mais bon, on va voir. Ensuite, on va prendre quoi? On va peut-être prendre une alternative. Là, j'ai pris direct un 90 gris froid. Le 10, là j'ai. Ouais, je vais prendre des alternatifs. On va y aller doucement quand même. Ah, on va y aller mollo mollo. C'est quoi? Non, gris chaud. Oui, tout petit. Hop, 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 hop. Vous allez me dire, ça va être une excuse pour pouvoir sortir les prismas. Hein. Mais bon. Mais non, ce mois-ci, là, pour l'instant, début du mois, j'ai fait du chroma flow, j'ai fait du. Non, pas du tribute, mais je vais les sortir. J'ai sorti bah, les doubles de polychromos. Et les chroma flow, bah, j'ai pas les 120 encore. J'ai que les 72, mais là, je pense que. J'ai bien apprécié de colorier avec eux, donc je pense que ça va venir. Voilà. Et si, je voulais remercier, je vois que. Je sais pas, mais depuis cet été, hein, je crois. Hein. Vous reprenez pas mal le tag milieu d'année. D'ailleurs, vous pourrez le faire ça. Je pourrais prendre 5 minutes avec vous pour le faire, voir où moi j'en suis. Mais bah déjà, je pense que j'ai pas trop respecté les livres que je voulais avancer. Enfin, certains, oui, mais d'autres, je crois que j'y suis même pas allée.
Je sais même plus ce que j'avais dit. On le fait 5 minutes vite fait. Et après, on reprend retoutouille. Ça, c'est objectif 2024. Atteindre 100 coloriages. Donc là, je sais même pas où j'en suis. Plus de Disney. Bah, pas du tout. Bah, si, le mois dernier, j'en ai fait deux. Ouais. Le fil rouge Luna, ça tourne. Travailler l'aquarelle, ça tourne pas du tout. Finir mes en cours, pas du tout. Live YouTube, bah non, du coup, je me suis mis sur TikTok. Donc, bon. Voilà. Se balader dans les livres de Kirby Carlson. Bah, Kirby, finalement. Alors, non, je m'y balade pas parce que je suis tombée amoureuse du mythe et légende, en fait. Donc, je pense qu'il sera, il peut être dans les fils rouges de la du milieu d'année, quoi. Carlson, bah, j'y vais, mais moins. Après, là, j'aimerais bien reprendre le spirit animal, par contre. Voilà. Avancer mes livres d'Analine. Alors, je les avance, mais il y a certains livres que j'ai mis un petit peu aux oubliettes. Voilà. Là, j'ai repris... bah, là, je viens de finir dans son dernier livre. J'ai envie d'en faire un autre. Et après, j'ai envie de faire son PDF, là. Que j'ai depuis un moment. Et j'aimerais bien le faire, celui-là. Pour la section automne. Je commence à avoir un peu les couleurs en tête. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Alors là, c'était les livres fil rouge et fil rouge et avancé. Donc il y a le Secret Little. J'y vais. Ah, 3. J'avais commencé à faire bien, hein, mais j'ai pas continué plus que ça. Un stylo. Et j'en ai pas sûrement. Ça, c'est. Je sais pas vous, mais alors autant j'en ai des crayons de couleur, mais alors le stylo. Si ça doit être mais vers ma table de salon parce que du coup ça l'a mangé parce que j'y suis surtout pour écrire pour les enfants, remplir. Et là il va m'en falloir un parce qu'il faut changer ce dossier d'inscription à ma fille. Je vous remets en pause. C'est la pause. C'est-à-dire la pause café. Bah non, c'est la pause stylo. Non, c'est pas drôle, je sais. J'ai pas changé mon humour. Bon, à tout de suite. Hop. Hop, me revoilà. Donc, le Secret Little, j'avais commencé 3 janvier, février, mars, à mon avis. Le Fairy Celebration, ouais, si, j'en ai fait un ce mois-ci, là. Donc, ça, c'était ceux de l'année dernière. J'avais tout noté. Je voulais vous faire cette vidéo, mais je l'ai pas faite. Janvier. Et où, janvier? Janvier. Bah du coup de toute façon je pense que c'est là où j'ai commencé à être sérieuse dans ça là. Février. Ah j'avais pas mal colorié hein, février là. 14 colos. Ah comme ça on va pouvoir essayer de compter les où j'en suis milieu d'année là. Alors. Janvier, j'en ai fait que 8. Donc 8 plus 14. On va voir si je suis pas dans le calcul mental. Voilà, mythe et légende, j'ai fait là. Le Nounours Thérapie, ça fait un moment que je ne l'ai pas retrouvé. Je sais pas si je l'ai noté. Si, ouais, j'en ai fait que 3. Forêt, si, j'en ai fait quand même. Hein. Ensuite, au mois de mars. Donc, le Little Secret, je l'ai fait. Alors, j'ai pas marqué. J'en ai fait pas mal, là. Ah non, c'est la pile à colorier. Non, là, j'en ai fait que 11. Plus... 11. Oui, parce qu'en fait, quand je vous tournais les vidéos de Pâques, je notais à côté. Et là, j'avais un petit peu respecté. Little Secret, ouais. Le Luna, oui, bah Luna, du coup, janvier, février, mars, c'est bon. Il y avait quoi d'autre? Funitel, oui. Janvier, février, mars, bah oui, je suis à jour. Le Around the World, je crois que j'en ai fait que 2 depuis. Analine le Simpunk, bah du coup je me suis un petit peu baladée. Le World, bah, je pense que c'est là. Hein. Voilà, c'est celui de Mars. Ouais, je suis pas allée avant. Non. Bah si là, février, j'en ai fait. Janvier. Mais elle est là. Non. Bon.
Ça, c'est quoi? Ça, c'est défi tour de monde, mais je ne l'ai pas fait. Ça, c'est pareil. Avril, j'en ai fait 11. Ah, début d'année, j'ai quand même pas mal coloré, non? Avril, je crois que c'est le mois où j'avais fait pas mal de PDF, donc ouais. Le Luna, c'est beau. Janvier, février, mars, avril. Ensuite, non. Nounours, attendez, Nounours, janvier, février, mars. Du coup, j'ai fait avril. Le Blanche-Neige, j'en ai fait que. J'en ai pas fait cette année, hein. Non, Amandine Young, je suis allée dans le pin-up. Ouais, ah si, janvier. C'est tôt. Le nouveau nouveau Maria Troll non plus, je ne l'ai pas fait. Ouais, 4 saisons, c'est pareil. Le Soulmate, j'en ai fait une, j'ai fait cet été, j'ai fait une page, une double page. Ouais, donc là, fin d'année, il va falloir que je les avance. Le Soulmate, le 4 saisons. Blanche-Neige aussi, parce que là, hein. Around the World, bah, je sais que j'en ai fait un cet été. Et bah, l'autre, il va falloir entamer hein, le dernier. Donc avril, j'en ai fait 11. Non, ça c'est les 4 by 4. Mais fais ce qu'il te plaît. J'en ai fait que 10 plus 10. Oh, je suis pas allée dans le. Non, Little Secret, oui. C'est toujours lui que j'avance le plus, hein. Forêt féerique, oui. J'ai fait du Flora, Luna, et Spirit Animal. J'ai fait au mois de mai la double page, peut-être. Heureusement que j'avais dit que début d'année, je noterais un peu plus en détail. Là, c'est le défi petit poney. Juin. Coloriage terminé, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Moi, tu vois, je sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était un mois compliqué pour moi. Voilà. Ah bah c'est là, c'est au mois de juin que j'ai commencé le pin-up. J'ai fait mon Luna. Le Funitel, il est à jour. De toute façon, le Funitel, il est à jour, ça c'est sûr. Fairy Miracle et PDF. Et juillet, août, 6 et 7. 1. 6 plus 7, ça fait combien? Ça fait 13. Et septembre, bah, c'est en cours. Et septembre, là, pour l'instant, j'en suis à 4. Donc, et là, j'ai fait le célébration. J'y suis pas. Donc, ça va. Donc, on en est. Je fais le calcul avec vous. Je fais une pause. Alors, 4, 8 et 1, 9, 9 et 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hop. On met la petite unité. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 73 colos. Ça va, hein? Ça va. Plus que l'année dernière. Donc voilà. On verra après. Je pense que. Oui, bah, on verra fin de l'année prochaine. Hein. Mais comme je vous dis, bah, Kirby, j'ai trouvé. C'est mon mythe et légende que j'ai envie d'avancer. Et pas le Mythomorphia. Et non. Donc ça, je vais prendre ça, je pense, et le 10. Un peu du plan. Et il me faut un noël. J'ai oublié de prendre du noir. C'est une couleur que, en ce moment, je sais pas, mais je poudre le noir. Et pourtant, je sais que c'est important dans le colo, mais... Après, il faut que je me le recommande. En général, je prends le noir d'illuminance. Mais il a pas mal réduit. En ce moment, donc il va falloir que j'aille chercher de la recherche. Non, je prends le noir Prisma, écoutez. Voilà. Il me va bien aussi. Bon, allez, on va foncer un tout petit peu ces poils là. Sinon, j'aurais dû sortir. C'est un bleu indigo aussi. Ça peut être pas mal. Là, j'ai 90 en francs. Bon, et ben voilà, on a fait un petit peu le récap de la mi-du à nuit, mais bon. Après, comme je vous dis, moi, c'est vrai qu'en ce moment, cette année, enfin depuis mois juin,
Après, là, j'aimerais bien un peu respecter les fils rouges. Donc, du coup, le mariatrol, en plus, je me suis inscrite pour Caro Colo. Je vais m'y mettre. Là, je fais mon ratatouille. Ben, on est vendredi, donc vendredi ce week-end. Et à partir de lundi, ben, on commencera un peu les fils rouges. Bah, tu vois. Déjà, je vais reprendre Clara, parce que ça va me prendre du temps. C'est deux, il y a deux colos à faire. Et puis après, on finira avec Maria Troll. Hein. Et puis après, si j'ai un peu le temps avant la fin septembre, et ben, je sais pas, on verra. Peut-être Anna Carson, le spirit animal. Mais on va voir. On verra. Toute façon, c'est pas une course. Le Rita Berman, je sais pas, je réfléchis. J'ai mal. C'est dans Rita Berman. Honnêtement, j'ai eu mal. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut. On va faire une recouche de bleu. Mais je pense que je vais sortir un bleu indigo. Parce que là, sinon, il aura. Parce qu'il est quand même gris, mais bleu, quoi. Enfin, pas le faire trop bleu non plus. Hop. Je sais pas si je vous remets. Il y a un peu de soleil qui ressort et moi franchement là, il manque de soleil. Si ça peut me réchauffer parce que j'ai pas chaud. Donc voilà. Attends, il s'est vachement rafraîchi là, en région lyonnaise. Je sais pas vers chez vous, mais je pense qu'on est un peu tous pareils. Déjà, je trouve qu'on n'a pas eu un été où on a pu en profiter, quoi. On était bien chaud, mais alors là, ouais, il nous a tué le mois de septembre, ça y est. Moi, j'aime trop la chaleur, mais il me faut le soleil, moi. C'est pas. Enfin, moi, le froid, c'est pas trop mon délire. Sortir dans le froid, c'est pas trop mon petit truc, quand. Mais bon, faut bien y passer. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien le froid, mais pas moi. Le bleu indigo, le bleu indigo. Je sais que je vais être pas loin. Ah, le 902, je pense qu'il peut. Non, le 902, non. Peut-être le 906, ça fait un peu bleu. Et le indigo. Voilà. Ah. Allez, on reprend. On y va. Prendre le temps. On a le temps. Non. Je vais essayer de vous mettre en petite vitesse rapide et puis après je pense qu'à la fin bah, je vous montrerai, je vous dirai un peu le combo que j'ai utilisé au Prisma, comme ça s'il vous plaît, ben, vous pourrez le noter. Mais parce que je pense qu'il va me prendre du temps, hein, cet effet poil à faire. Hop. Ouais. On va refoncer un petit peu. Mais je pense qu'on est pas mal là. Hein. Après, je sais que le papier à hachette, faut pas trop appuyer parce que sinon vous allez vite le saturer. Bon, après, je pense que. Je vous apprends pas des choses, hein. Moi ça fait pas avec Disney. Ben voilà, ça me fera mon objectif colorier un peu plus de Disney. Voilà, un petit ratatouille en plus. Tac.
On y va doucement. Hop, hop. Ça va me donner envie de regarder, le re-regarder. Un Disney, j'aime bien, moi. Je l'aime bien, Disney. Non, c'est un Pixar, Ratatouille. C'est pas un Disney, je crois. Ils l'ont mis en Pixar. Il aime bien. J'aime bien ce petit rat. Il est tout mignon, en plus. Disney, je lui dis animé. Hop. Mais bon, un rat qui vous fait à manger, je sais pas. Oh, je sais pas si on accepterait ça. Voilà. Je pense qu'on est pas mal hein, niveau combo, donc voilà. Bah, vous savez quoi, si vous le voulez, bah, vous me direz en commentaire et puis moi je vous le mettrai, je vous répondrai. Et puis voilà. Hein. Sur ce, bah moi je vais vous laisser, puis peut-être à la semaine prochaine pour un nouveau vlog à voir. Voilà. Si j'ai pas envie de faire autre chose en vidéo, tout dépend de mes envies. Donc sur ce, moi je vous fais des bisous. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'à là, jusqu'à la fin de cette vidéo, bah mettez un petit rat ou des légumes. Tiens, mettez-moi des légumes en emoji. Voilà. Le légume que vous préférez et qu'il y a sur cette illustration. Tout simplement. Allez, bisous, à la prochaine!